Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde est en forme derrière votre écran, que vous arrivez à profiter de ce moment qui est quand même exceptionnel. Mais voilà, que tout se passe bien chez vous. Et déjà, bienvenue sur ma chaîne. On va papoter aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi, visiter un petit peu notre routine, ce que je fais au quotidien pour passer le temps. Je vais répondre aussi à quelques questions de mes abonnés Instagram et je les remercie déjà d'avoir participé à mes petits sondages que j'ai fait en story tout à l'heure. Donc on va y répondre tranquillement et je vous embarque avec moi. On y va. J'ai envie de me faire un petit cappuccino. Et il est 14h15. Allez, on en profite. Je vais faire mousser ma mousse. Non, je vais faire mousser ma mousse. Je vais faire mousser mon lait, pardon, avec ma buse vapeur, juste là. On est parti. It's time for a cappuccino! J'adore les cappuccinos, donc hop, on y va. Il est 14h15, nickel, sur la terrasse. Et j'en ai foutu partout. C'est pas grave. C'est pas grave. On est bien. Donc voilà, moi je trouve que le confinement, je le vis plutôt de manière positive. Et on a vraiment du temps justement pour se lancer des défis et s'investir dans une passion. J'y trouve mon compte, dans tous les cas. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Mais bon, en fait, ce confinement, j'essaie de le voir d'une manière vraiment positive. Parce que même si ce qui se passe est vraiment très très grave et c'est une crise sanitaire sans précédent qu'on a rarement vécu. Voilà, vraiment une occasion pour se lancer des défis, des challenges. J'en profite pour faire du yoga, pour mettre un petit peu au sport, en faisant attention justement à mes articulations à cause de ma maladie. Mais voilà, vraiment de profiter de juste de l'instant présent sincèrement, puisqu'on a tendance un petit peu à l'oublier dans notre société. On est tout le temps à courir à fond à l'heure, tout le temps à être toujours hyper rapide, à enchaîner plein de choses. Et là, vraiment, on est tous dans le même bateau, même si on n'est pas logés tous à la même enseigne. Mais on a cette chance, j'ai envie de le dire, de pouvoir vraiment s'investir à 1000% dans des activités, de profiter de sa famille, de profiter des appels FaceTime à plusieurs, des apéros virtuels, etc. Et je trouve ça quand même pas mal. Donc on a cette occasion de pouvoir vraiment resserrer les liens avec les gens qu'on apprécie. Et puis on en profite, quoi, tout simplement. Donc voilà. Avec un bon cappuccino, je dois dire que c'est encore plus appréciable, quoi. Donc j'en ai foutu partout. Bref, en plus il fait plutôt bon, franchement on a de la chance. Ouais, on continue. Je crois que Marley est très très fatigué. Marley? Marley? Pourquoi elle est fatiguée? Elle est fatiguée. T'es fatiguée, mon loulou? Qu'est-ce que tu fais? Hihi, il me fait que pour des boulettes. Ah oui, parce qu'en ce moment, il rediffuse une nounou d'enfer. Et j'adore cette série. Alors je sais qu'on l'a vue 150 000 fois, qu'on connaît les épisodes limite par cœur, mais alors je la trouve tellement bien, cette série, tellement bienveillante, drôle, fun. Et Fran Drescher, je trouve que c'est une actrice qui est vraiment top, quoi. Moi, elle m'éclate. J'adore. Franchement, j'adore. Voilà, vous êtes déprimé, vous êtes triste, vous regardez une nounou d'enfer, sincèrement, c'est juste royal.
C'est dingue à quel point je me rends compte que mon bureau est juste bordélique à un point. Il faut absolument que je fasse du rangement. Donc je pense qu'on est nombreuses et nombreux à en profiter pendant le confinement justement pour essayer de faire du rangement. Mais là c'est catastrophique, j'ai une tonne de fils un peu partout. Et c'est pas possible, je m'y retrouve pas du tout. Et je vous raconte même pas l'état de mes tiroirs. Donc ce bureau c'est... On va dire que c'est vraiment n'importe quoi. Déjà je suis un peu déçu parce que je le trouve trop petit. J'en avais un très très grand avant, mais je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Surtout dans cet espace, voilà, je le trouve bien, mais c'est pas pratique, quoi. T'es pas d'accord, toi? T'es d'accord ou pas, Marley? On va faire pipi, ouais. Parce qu'il faut que je le sorte, là, en plus. Donc, on va faire une mini balade, mais je précise juste à côté de la maison. Mais vraiment juste à côté. Donc, voilà, on va ranger un petit peu tout ça, quoi. La tenue du jour. Je me suis dit que j'allais quand même faire un petit effort. Histoire d'être à peu près potable parce que j'en ai un petit peu marre de rester en pyjama à vrai dire toute la journée. Donc voilà. Donc je me suis dit, allez, petite tenue, petite jean, tranquille, un peu trouée, basta. Je me suis dit aussi, on va y arriver, on va y arriver. Je me suis dit que j'allais quand même me faire une tête à peu près potable. Donc ouais, voilà. Moi je dis, on est bon. Est-ce qu'on y va, nous? On va y arriver? Ouais, voilà. Est-ce qu'on y va? On va aller se promener? Mais attention, juste à côté. Hein. Ok? Ok, boy. Ok, boy. On s'était quitté la dernière fois avec une vidéo où je vous expliquais comment je préparais mon café, donc j'en suis très très content. Et puis voilà, c'est quand même très très sympa de pouvoir vraiment partager en fait ce qu'on fait sur cette plateforme, sur YouTube. Et je suis content d'avoir créé cette chaîne. Et d'ailleurs, je vous remercie Laura Mounzi qui m'a vraiment poussé à aller de l'avant et puis à m'exprimer comme je peux et comme je le fais actuellement. Donc n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne qui est vraiment... Mais juste tellement inspirante, extraordinaire. Donc voilà, je vous conseille sincèrement d'aller jeter un œil à sa chaîne et de vous y abonner surtout. Donc voilà, on va commencer tout de suite. On est parti. Donc j'avais posé comme question sur ma story Instagram, qu'est-ce qui vous tracasse en ce moment? Donc du coup, comme réponse, alors j'ai reçu un message de The Home.ines et je te remercie d'ailleurs, je te fais un gros bisou, en plus je t'adore. Donc elle m'a dit, j'en ai marre d'être enfermée, j'ai envie de sortir. Effectivement, c'est vrai que le temps commence à être long, mais oui, je dirais qu'on trouve quand même du positif dans ce confinement, justement, pour pouvoir s'ouvrir vraiment aux autres, à son environnement, avoir le temps justement de pouvoir se lancer dans une passion, de s'investir dans quelque chose. Donc moi, dans mon cas, j'y trouve du positif. Après, je peux comprendre que certaines personnes, voilà, on n'est pas tous dans le même bateau, ça peut être délicat de trouver du positif malgré... la situation qui est quand même alarmante, mais voilà, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses malgré tout pour déjà moi me sentir bien et puis voilà, pour essayer de voir quand même un petit peu de positif tout simplement. Alors ensuite, j'avais Miss Anne la Bretonne 14 et je te remercie, je te fais un gros bisou au passage et bienvenue à toi. Donc elle m'a dit, les douleurs, le manque d'entrain, j'ai envie de rien, c'est pour ça que je suis peu présente. Effectivement, je te comprends par rapport à ce que tu vis en ce moment et ce que tu traverses, et c'est vraiment pas simple. Et c'est vrai que les douleurs, de toute façon, on va pas se mentir, on s'y connaît tous les deux, c'est notre quotidien. Donc voilà, puisque moi j'ai une ergodystrophie aux articulations, donc je sais ce que c'est de souffrir au quotidien. Et je sais que tu es peu présente, mais j'espère te retrouver très très vite sur Instagram, puisque tu nous manques, tu nous fais rire en plus.
Ensuite, Lily, c'était le 8. Bienvenue. Et je t'adore, toi en plus. J'ai envie d'un croque-McDo. Soit. C'est vrai que le McDo commence à me manquer un petit peu, même si je suis plus trop emballé par les McDo. Enfin, toute la, ce côté malbouffe, c'est plus trop mon truc en fait. Je me rends compte que non, plus ça va, enfin, moins ça me manque. Mais pourquoi pas un petit croque-McDo, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Home, c'est déco. Écoute, Céline, je te remercie. Tu es là au quotidien, tu m'inspires, tu me pousses à aller de l'avant. Donc déjà, bienvenue à toi sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Donc tu m'as mis, comment on va sortir de cette merde? Aucune bonne nouvelle, ça devient dur de positiver. Alors je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est compliqué comme situation. On n'a jamais été habitué à vivre ce genre de choses, mais voilà, il faut quand même se dire qu'on est chez soi, voilà, dans un cocon, dans une espèce de bulle positive, et il faut trouver du positif pour essayer d'aller mieux et surtout de se sentir bien et juste trouver des occupations, essayer vraiment d'en profiter, de lancez-vous des challenges, des défis, mais vous allez voir, on va y arriver tous ensemble de toute façon. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette petite FAQ. J'espère avoir répondu à vos petites questions et vos suggestions. Et on va continuer cet épisode de vlog tout de suite. Attendez, je prends mon petit café. Et là, nous sommes prêts pour papoter ensemble. En plus, Marley est avec nous. Et voilà. Donc en fait, je sais pas, j'avais envie de parler d'attitude positive. Par rapport au confinement, en fait, je me rends compte de pas mal de choses. Ça y est, c'est la psychologie de comptoir qui débute. Mais voilà, j'essaie de voir les choses différemment maintenant, depuis que tout a commencé, et d'adopter vraiment une attitude positive. Alors, tout simplement, je me dis que maintenant, ce qui doit arriver, arrivera, dans tous les cas, et on ne peut pas changer ce qui va se passer, mais essayer d'adopter une attitude justement positive et optimiste par rapport à tout ça. Et par plein de petites choses du quotidien, mais c'est vrai qu'avec ce temps libre qu'on a, ce temps disponible, j'essaye de me dire que voilà, j'en profite pour faire un petit peu plus de sport à la maison, pour prendre soin de moi, pour me lancer des défis comme voilà, réaliser des vidéos sur YouTube, profiter de ce temps aussi parce que j'adore la photographie, faire des flatlays, des photos, m'investir totalement dans ces passions, vraiment apprendre un maximum de choses et profiter de l'instant présent. Là, c'est vraiment un temps où on peut justement s'impliquer dans tellement de projets, donc j'en profite vraiment pour essayer de réaliser des choses que je n'aurais pas pensé faire auparavant. Mais c'est peut-être aussi parce que je viens d'avoir 30 ans. Alors du coup, je me dis maintenant, allez, il est temps, lance-toi des défis et puis vas-y, crois en toi de toute façon. Voilà, tu es le seul maître à bord, tu es le maître de ton destin. Donc voilà, je ne sais pas si ça va vous aider grandement ce que je viens de dire, mais voilà, moi une attitude positive, c'est que j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. J'essaye de m'émerveiller de plein de choses, mais après je suis poisson, donc forcément, voilà, j'essaye d'être toujours bienveillant, optimiste, et voilà, c'est peut-être stupide ce que je vous explique là, c'est juste mes conseils à moi de voilà, d'essayer toujours voir le bon côté des choses, et on a tellement de choses à apprendre que vraiment profiter de ces instants, tout simplement. Marley, tu viens? Allez, viens! Allez! Allez, viens! Allez, viens! Non, là, mais non! Viens là! Marley, là! Viens! Bon, je sais pas si Marley sera avec nous pour cette fin de vidéo.
En tout cas, voilà, c'est comme ça que se termine ce premier vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, prenez soin de vous et restez chez vous. Prenez, voilà, faites juste attention à vous. Prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à faire des apéros FaceTime. Enfin, profitez de la cuisine, profitez de tout ce que vous pouvez. Profitez simplement des bonnes petites choses de la vie et des bons petits moments que vous pouvez connaître dans votre quotidien. Voilà, profitez-en pour faire plein de choses, surtout pour vous épanouir dans vos passions, dans vos hobbies, etc. Voilà, donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et pour de nouvelles aventures. Sur ce, ciao ciao !